Chers amis, nous sommes à nouveau réunis, nous qui nous opposons à ce projet de loi dit bioéthique. Nous sommes là parce que ce projet de loi qui se part de bons sentiments, ce projet de loi qui se targue d'instaurer un progrès qui n'en est pas un, ce projet de loi est toujours inscrit au calendrier législatif. Il est toujours à l'agenda. Et avec des propositions toujours aussi néfastes pour la famille et pour la société. Non aux apprentis sorciers! Non, non au marché de l'humain pour le fric! Non. Mesdames, messieurs les politiques, faut-il vraiment qu'on vous explique comment on fait les bébés? C'est pourtant pas bien compliqué. Mesdames, messieurs les politiques, faut-il vraiment vous expliquer comment on fait les bébés? C'est pourtant pas bien compliqué. Je vous entends pas. Mesdames. Alors bonjour, pourquoi vous êtes venu à cette manifestation contre la PMA ? Je suis venu parce que ça fait plusieurs années que j'ai l'impression que les projets de loi bioéthique que propose le gouvernement ne vont pas dans le sens ni de l'éthique ni de la bio, c'est-à-dire de la vie. Et là particulièrement, en fait, ce qui me révolte un peu, c'est la PMA sans père. Qu'il y a quelques années, on nous avait dit qu'elle n'arriverait jamais parce que c'était pas bien, parce qu'il fallait que chaque enfant connaisse son père pour se développer correctement. Et puis finalement, là, c'est en train d'arriver. Que pensez-vous de cette loi qui est votée par 100 personnes à l'Assemblée nationale sur 500 députés ? Ben si, vous touchez un point sensible, cela montre que, alors je ne sais pas si c'est que cela montre que les députés ne se sentent pas concernés par ce sujet-là, ce qui est bizarre parce que ça concerne toutes les familles de France, ou si c'est parce qu'ils ont un petit peu peur de la réaction de leur parti et que plutôt que de ne pas voter pour, ils préfèrent être absents ou s'abstenir. Par peur. Et ça serait vraiment, vraiment inquiétant. Eh ben merci beaucoup. Thank you.
paternité et de la maternité et de sa